sort pour réduire ennemis et rebelles. Ce que l'homme que tu en gardes mémoire, le fils d'Adam que tu en prennes souci. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre. Tu fais revenir les captifs de Jacob. Tu lèves les torts de ton peuple. Tu couvres toute sa faute. Garderas-tu ta colère d'âge en âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier et ton peuple en toi se réjouit? Ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Terre donne son fruit. Justice marchera devant lui et paix sur la trace de ses pas. Psaume 95. À ton nom soit béni, Seigneur.
Attachons-nous-vous, chantez au Seigneur terre entière. Chantez-le, bénissez son nom. Cantique d'Isaïe, page 296. Je t'avais caché ma face.
Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. S'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. De saint Augustin au IVe siècle, rendez à Dieu ce qui vient de Dieu. La dissemblance nous éloigne de Dieu, la ressemblance nous mène à lui. Quelle ressemblance ? Celle de notre création déformée par le péché, recouvrée quand Dieu nous pardonne. Elle se renouvelle au fond de notre cœur quand se trouve en quelque sorte resculpter sur le denier de notre âme l'image de notre Dieu, et que nous sommes ainsi récupérés pour son trésor. Car vous vous souvenez que le Seigneur voulut un jour, à partir d'une pièce de monnaie, montrer à ceux qui le tentaient l'exigence de Dieu. Ces hommes eurent l'idée de consulter sur l'impôt le maître de vérité qu'ils cherchaient à discréditer, et ils lui demandèrent s'il était permis de payer le tribut à César. Que répondit-il ? Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Et il demanda qu'on lui apporte un denier, ce qui fut fait. De qui est l'image ? Dit-il. Eux répondirent : de César. Et lui de conclure : rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est de Dieu. Autrement dit, César veut récupérer son image qui figure sur la monnaie. Comment Dieu ne voudrait-il pas retrouver la sienne imprimée dans l'homme ? Et c'est bien à cette ressemblance que notre Seigneur Jésus-Christ nous invite. Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ces paroles, « Soyez parfaits comme lui », nous invitent bien à la ressemblance. Si Jésus nous y invite, c'est évidemment parce que notre existence dans la dissemblance nous avait éloignés de Dieu. Éloignés par la dissemblance, la ressemblance nous rapproche. Et déjà se réalise en nous la promesse de l'Écriture : approchez-vous de lui et vous serez illuminés.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Savons, tu es toujours vrai, tu enseignes les vrais chemins de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. On envoya à Jésus des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège en le faisant parler. Et ceux-ci viennent lui dire : Maître, nous le savons, tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens, mais tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César? Devons-nous payer, oui ou non? Mais Jésus, sachant leur hypocrisie, leur dit : Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Faites-moi voir une pièce d'argent. Ils le firent et Jésus leur dit : Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? De l'empereur César, répondent-ils. Jésus leur dit : À César, rendez ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. Acclamons la parole de Dieu. Son peuple. Il nous suscite la force de salut dans la maison de la ville, son serviteur. Oh. Comme il le dit par la bouche des saints, c'est notre foi, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur, aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. À l'amour duquel notre Dieu soit élevant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbres qui gisent dans l'ombre de la mort et guide pour nos pas au chemin de la paix.
Dieu saint, saint fort et saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme le soleil et la joie de ceux qui recherchent son jour. Ainsi, mon Dieu, tu es ma joie, car tu es mon soleil. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu trois fois saint, nous te louons, saint et le Père, source de toute sainteté. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Seigneur notre Père, nous appelons à ta providence, qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le, et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.